Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Dieu parla à Moïse pour qu'il dise aux Hébreux. Vous reconnaissez le verset le plus connu de la Torah et qui en constitue aussi le leitmotiv. La loi fait toujours signe vers quelque chose de plus grand, qui transcende à la fois les individus et le corps social pris dans son ensemble. C'est aussi ce que postule Shavuot, puisque le principe de don de la loi, Matan Torah, suppose une extériorité qui s'adresse à nous. Eh bien, mon invité du jour nous apprend que le caractère vital de la religion pour une société, aussi laïque soit-elle, est une question qui tourmente les philosophes depuis la Révolution et dont des polémiques en apparence aussi futiles que le port du burkini dans les piscines municipales ne sont que l'ultime avatar. Bonjour Vincent Payon. Bonjour. Alors c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir sur Academ, mais la plupart de nos auditeurs vous reconnaissent puisque vous avez été ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de François Hollande. Vous êtes un cadre du Parti socialiste, philosophe également, et vous avez publié un livre passionnant aux éditions du Bord de l'Eau qui nous introduit à la pensée d'un homme qui s'appelle Pierre Leroux et qui défendait le principe d'une religion nationale, on va tout de suite y venir, et c'est précédé d'une longue introduction de votre part intitulée « Une démocratie religieuse ». C'est un titre qui interpelle bien sûr. Alors ce Pierre Leroux, vous nous apprenez que c'est fondamentalement un des inventeurs du socialisme. Alors pourquoi un tel homme est-il tombé dans les oubliettes de l'histoire ? Il n'est pas le seul. Le plus grand philosophe juif du 19e siècle français, si on interroge les juifs, ils n'ont pas de réponse. C'est Joseph Salvator. Il est inconnu, auteur d'une loi de Moïse en 1822. L'histoire, elle se souvient, mais l'histoire, elle oublie beaucoup. Mmh. Elle a d'ailleurs cette fonction. C'est le tri. C'est pas seulement une fonction de souvenir, c'est une fonction d'oubli, l'histoire. Alors il y a les grands fondateurs qui dérangent. C'est le cas de Pierre Leroux, pour des raisons qu'on va voir après. Parce qu'il ne dit pas ce que la pensée commune rabâche aujourd'hui, anonne. Et quand on va à cette source, comme à celle d'ailleurs de Joseph Salvator, ou quand on va à celle du fondateur de la laïcité française, Ferdinand Busson, auquel j'ai consacré aussi des livres, ben on est surpris de ce qu'on découvre. Uh-huh. Donc on préfère les oublier et continuer à rabâcher ces pensées toutes faites. Donc il y a les vainqueurs de l'histoire. Et puis vous, vous êtes en fait dans une démarche que j'ai trouvée très talmudique, puisque le Talmud, c'est un code de loi, mais dans lequel on rapporte toutes les opinions qui finalement n'ont pas été retenues, mais qui nous permettent de mieux mesurer l'amplitude de cette loi, d'établir son archéologie et de voir toutes les potentialités dont elle est grosse. C'est une conception de l'histoire que vous trouvez évidemment dans la philosophie juive de l'histoire, qui est l'idée que nous avons dans le passé un certain nombre de potentialités que nous pouvons retrouver et qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Et donc finalement, c'est ce qu'on appelle le prophétisme du passé. C'est en retournant vers les sources, non pas qu'on va répéter les mêmes choses, mais qu'on va découvrir des possibilités de faire du neuf. Donc nous allons conjoindre la tradition et la nouveauté. Il n'y a pas d'opposition entre le passé et l'avenir. Vous avez ça dans le très beau livre, je crois, de Stéphane Moses sur Benjamin, etc., où il explique très bien cette philosophie de l'histoire. Vous la retrouverez chez Joseph Salvador. Et curieusement, elle est aussi chez Pierre Leroux. Et c'est ma pratique d'historien des idées. Alors, ce Pierre Leroux, il vit, il écrit dans la première moitié du 19e siècle. On est 50 ans après la Révolution française. C'est encore tout frais, tout ça. En quoi ça nous concerne, nous, en 2022, ce qui est écrit là ? Alors, dans ce pourquoi j'ai voulu rééditer dans la collection Bibliothèque républicaine, on réédite comme ça depuis 20 ans avec beaucoup d'universitaires les textes fondamentaux de la tradition républicaine et les textes oubliés, comme vous le dites. Donc tout le monde a le mot république à la bouche, mais lire les républicains, c'est autre chose. Alors, lui, parce que il propose quelque chose dans ce livre qui est tout à fait estomacant. Alors c'est vraiment l'homme, il le dit lui-même, mais c'est reconnu par la tradition, qui a mis le socialisme dans la République et la République dans le socialisme. Ça a eu de l'avenir, Jaurès, Blum, etc., toute la tradition française, qu'on appelle soit les démocsoc, hein, les démocrates socialistes de 48, soit les républicains socialistes, tels que nous sommes dans l'histoire, le courant socialiste français. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il faut organiser religieusement la société laïque. Ça ne tient pas debout pour nous aujourd'hui. Dans l'esprit de la plupart des gens, et ceux qui nous écoutent, on va séparer le religieux du laïc. Et lui dit non. Le grand défi de la modernité, c'est de comprendre que la laïcité n'est pas anti-religieuse, mais même plus de créer
Une religion, pour lui, ce sera la religion de l'humanité, un peu comme Auguste Comte, la religion humanitaire, créer une religion qui corresponde au statut de la modernité, c'est-à-dire la pensée libérale, le respect de l'individu, l'organisation des contre-pouvoirs, la démocratie, la justice sociale. Toute cette pensée de Pierre Leroux, elle repose en vérité sur un postulat, c'est qu'une société ne peut pas se passer de religion. Il a des propos très, très forts, je le cite, vous le citez, je vous cite le citant. Ne séparez donc pas la religion de la société, c'est comme si vous sépariez la tête d'un homme de son corps et que, me montrant ce cadavre, il parle de notre société comme un cadavre, hein, vous osiez me dire « voilà un homme ». La société sans religion, c'est une pure abstraction que vous faites, c'est une absurde chimère qui n'a jamais existé. Pourquoi c'est tellement indispensable la religion ? Mais c'est ce dont ils se rendent compte quand vous réfléchissez bien avant, dès la Révolution française. Vous vous souvenez que la Révolution française, elle veut se passer des prêtres et puis elle fait un culte de la raison. Robespierre, le culte de l'être suprême auquel il se réfère, hein, c'est la même tradition. Il se dit une société sans religion, c'est une société qui se prive du spirituel, qui se prive de ce qui fait lien entre les gens, des valeurs communes et de la transcendance dont on a besoin sans doute. Pour respecter un certain nombre d'interdits, on va dire, dans notre vocabulaire à nous. Et je crois que cette question, elle est d'autant plus vive à leur époque, mais elle ressemble un peu à la nôtre, leur époque. L'argent roi, l'individualisme outrancier, c'est ça le règne de Louis-Philippe, enrichissez-vous. C'était ça le mot d'ordre. Et lui assiste à cette société où tout d'un coup, vous avez une paupérisation des classes prolétaires, c'est la révolution industrielle, donc c'est la naissance de ces grands centres qui sont des centres industriels, mais dans lesquels les femmes sont dans des conditions épouvantables, les enfants, etc., et de l'autre côté, des gens qui s'enrichissent. Et là, il n'y a plus de lien, parce qu'il y a eu la révolution qui a mis à bas certaines croyances traditionnelles, mais qui ne les a pas remplacées par d'autres. Donc c'est leur grande interrogation. Et on est dans l'entre-deux, entre une société qui meurt, une religion qui meurt, pour eux c'est le christianisme. Exactement, et surtout le catholicisme, parce qu'il y a les protestants, c'est pas la même chose. Et puis, de l'autre côté, une religion à naître qu'il cherche pour correspondre à la modernité. Mais il ne peut pas ne pas y avoir de religion. Quand il n'y a pas de religion, c'est quoi qui gouverne? Il le dit, c'est les boutiques, c'est la matérialité, c'est l'or, c'est le métal, c'est la violence entre les deux. Et l'individualisme. Et l'individualisme excessif, parce qu'il faut une forme d'individualisme, il respecte l'individu, la personne. Il prend de la pensée libérale quand même, qu'on ne doit pas avoir une société oppressive des individus, on doit avoir une société qui émancipe tous les individus. Donc la religion comme condition de la fraternité, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, dans le fond, ce terme de fraternité, on va le retrouver dans tout ce que nous évoquons comme étant entre la liberté et l'égalité, pour les réconcilier. Finalement, elles ne vont pas ensemble. La liberté, c'est individuel. L'égalité, ça veut dire tous pareils. Donc, il y a une contradiction. C'est la fraternité qui doit permettre, dans l'idée de ces gens, de réconcilier. Donc, qui fait lien, la fraternité, donc, de religieux. On est dans cette idée qu'il faut, dans notre société, non pas simplement se faire avoir avec l'idée de la neutralité ou de la séparation du temporel et spirituel, parce qu'il dit, et là, il est pré-lévinassien, parce que Lévinas dira ça après 45, on nous a fait croire qu'il fallait séparer le public-privé. Soyez, dit Lévinas, en fait, des juifs dans l'ordre privé et des bons citoyens français à l'extérieur, c'est le résultat de l'émancipation. Mais en fait, c'est un faux calcul parce que vous vivez dans une atmosphère chrétienne. Et donc, progressivement, en fait, on vous demande de renoncer d'une certaine façon à une partie de votre identité, sachant en plus que l'identité juive est une identité complexe puisqu'elle est aussi politique. Et donc, vous êtes dans cette atmosphère chrétienne. Et lui dit la même chose, plus d'un siècle avant. Et donc, il dit très nettement... attention, il faut véritablement substituer quelque chose d'autre et ne pas croire, par exemple, à cette idée soit de la séparation temporelle et du spirituel, qui est une idée chrétienne, rendez à César ce qui est à César, soit à la neutralité de l'État. Cette fameuse idée dont tout le monde parle, l'État est neutre. Il dit, mais quelle plaisanterie, on n'a jamais vu un État neutre. Un État enseigne des valeurs, un État éduque, un État a un système de droit. Tout ça repose sur des principes et des valeurs. Donc la neutralité de l'État n'existe pas. Mais alors comment est-ce que ça s'arrange avec le principe auquel il est également attaché, qui est celui de la liberté de conscience? Si on a une religion nationale, comment est-ce qu'on peut préserver la liberté de conscience des individus? Alors, c'est la quadrature du cercle un peu. Alors lui pense que c'est une idée qui vient de Spinoza. C'est très intéressant parce que dans ce livre, et là on a une filiation quand même tout à fait étonnante, il considère que ce point de vue et donc cette possibilité d'avoir à la fois une religion nationale, ce qui ne veut pas dire une religion d'État, il faut la distinguer. Hein. Quelle différence? Ben, la religion d'État, c'est l'État, avec sa brutalité, qui va imposer
par la force, que tout le monde pense la même chose. Ouais. Une religion nationale, ce que vous avez aux États-Unis, une religion nationale, hein, ouais. Tout le monde. Est-ce qu'une religion d'État, c'est ce qu'il y a en Iran, par exemple? Exactement, voilà. C'est exactement la différence. Voilà. Alors la religion nationale, ouais. Il faut la vivre de façon plus souple. La religion nationale, elle peut ne garder comme principes généraux que la tolérance, le respect de l'autre. Il faut l'édifier, cette religion nationale. Mmh. Mais vous ne pouvez pas laisser les enfants, vous ne pouvez pas laisser les citoyens sans croyances communes, qu'on assume, d'accord, qu'on enseigne, et auxquelles, alors là, on rajoute quelque chose que ces religions, on ritualise quand même, on met des cérémonies, oui. Fêtes républicaines, on ne peut pas être que de la raison. Mais il y a quand même, on sent bien qu'il y a un éléphant dans cette pièce-là. Dieu, dans tout ça, il a sa place, parce qu'on parle de l'Amérique, il y a quand même marqué « In God we trust » sur les dollars américains. Pour alors, le roux, Dieu, oui. Il a sa place dans cette laïcité religieuse? Il l'a eu chez tous les grands laïcs. Le plus grand laïc, celui qui a fait l'école laïque française, c'est Ferdinand Buisson. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'école de la République, ce n'est pas l'école et l'école laïque où Dieu est absent. Il dit, d'une formule extraordinaire que je suis dans le livre, c'est l'école où Dieu est partout. Alors c'est un peu panthéiste. Ouais. Mais Jaurès va à la tribune de l'Assemblée nationale dans son grand discours de la foi laïque où il dit, il y a 30 ans, c'était sa thèse, parler de Dieu. Je n'ai pas peur de ce mot, ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Et donc la question, c'est essayer d'évacuer Dieu, vous n'y arriverez pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu? C'est la vraie question. Alors, si vous me permettez une seconde, parce que c'est toujours un peu long, il faut que vous compreniez que cette question, elle est, et c'est très intéressant d'un point de vue de la loi juive ou mosaïque, cette question, elle est au cœur de la question du législateur. C'est-à-dire que pour les républicains, à commencer par Rousseau, la question c'est comment on va faire ce fameux contrat social. Si c'est que des individus, qui va être l'arbitre? On peut toujours dire, mais moi j'étais pas d'accord, etc. On est à égalité. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus fort. Dans le contrat, on se moque un peu de nous, parce qu'on dit, on va se réunir entre individus, ça va faire un corps collectif, et c'est lui qui va être l'arbitre. Mmh. Le problème c'est qu'il n'existe qu'après, alors comment on décide avant? Donc Rousseau est face à cette contradiction. Et il dit, il y a le législateur. Et il cite des législateurs. Solon, Numa et Moïse. Numa, c'est qui? Numa, alors, c'est romain. Donc, vous avez, Solon, le grec. Exactement. Numa, et puis vous avez Moïse, qui pour lui, c'est la République des Hébreux, va être le plus important. C'est-à-dire qu'il faut, il y a des textes étonnants de Rousseau qui sont très, très peu étudiés, malheureusement, dans lesquels il dit, il faut que la loi échappe quelque part, si vous voulez. Donc la loi, on ne l'écrit plus avec un petit L, on l'écrit avec un grand L. Et il faut qu'elle échappe à la question humaine. Alors la grande question que se pose la génération d'après-guerre, et qui va être très forte chez Lévinas, c'est une critique de ce qu'on a appelé l'émancipation, mais surtout de l'assimilation, avec l'idée d'autonomie. L'idée d'autonomie, c'est je me donne à moi-même la règle, c'est ça que ça veut dire. Et Lévinas va dire, quand les hommes se donnent à eux-mêmes la règle, on l'avait déjà après 14-18 avec Rosenzweig et dans le champ protestant ou chrétien avec des gens comme Karl Barth en disant, regardez, ça amène des horreurs, le XXe siècle est fait d'horreur. Il est fait évidemment de la guerre de 14-18, il est fait de la Shoah, il est fait d'Hiroshima, il est fait, car Lévinas donne toute la liste, il ne donne pas seulement un événement. Il dit c'est tout ça, rouge exactement, absolument, et donc il donne toute la liste. Et il dit ça, c'est les conséquences d'une autonomie, et donc il faut revenir à la supériorité de la loi, ce qu'est l'enseignement juif. Alors on entend bien ce que vous dites d'un point de vue des idées, mais comment ça s'incarne tout ça concrètement? Parce que les idées de tolérance, de liberté, d'égalité, c'est bien beau, mais concrètement, comment ça se, vit? Vous m'avez posé la question de pourquoi ils sont oubliés. Et il y a une réponse d'un très grand historien qui était Benichou, qui disait, en fait, ils sont oubliés parce qu'ils ont réussi, ces hommes de 48. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces hommes? Ils voulaient qu'il y ait le suffrage universel. On l'a eu. Ils voulaient qu'il soit étendu aux femmes. Ça a fini par se faire. Ils voulaient que les enfants ne travaillent pas à 11 ans dans les fabriques. Ça, c'est fait. Ils voulaient qu'on ait des retraites. Ça, c'est fait. Congés payés. Ils voulaient qu'on ait, exactement, du temps de loisirs. Ils voulaient que les gens puissent aller à l'école et qu'elle soit gratuite. Tout ça, c'était leur combat. Ouais. Donc, c'est devenu le patrimoine commun. Donc, quelque part, ils sont plus intéressants, puisque c'est complètement... Oui, mais dans leur temps, ils se battaient contre des gens qui étaient, souvenez-vous, pour l'esclavage, contre l'émancipation des Juifs, pour que les enfants travaillent, pour que... Donc, c'est devenu presque aseptisé, et on ne voit plus dans leur temps à quel point, dans le fond, les combats qu'ils ont menés au péril de leur vie, et parfois en donnant leur vie, évidemment, dans les différentes révolutions, etc., ben, on construit cette société moderne. Alors, vous me dites, qu'est-ce que ça a fait? Je vous réponds. Ça a fait l'école laïque, ça a fait gratuite obligatoire, mais enfin, laïque,
Ça a fait quand même un système démocratique dans lequel il y a des contre-pouvoirs. Mmh. Ça a fait cette idée qu'on va retrouver très forte au moment de l'affaire Dreyfus, mais qui vient de cette lignée, qui est cette conjugaison entre, dans le fond, une action collective et l'idée que rien ne vaut plus, comme le dira Durkheim, cette religion de l'individu dont parlait Durkheim, c'est-à-dire la dignité d'une personne. Si on est contre la raison d'État, voilà. Si un seul individu est attaqué, alors il faut revoir nos positions. Tout ça est dans cette filiation. Et l'organisation, si vous voulez, en tout cas l'essai, ce que j'avais essayé de refaire comme ministre avec la morale laïque, essayer d'organiser cette société, pas seulement dans une fausse tolérance, chacun peut dire n'importe quoi, donc on tolère même les intolérants, ouais. C'est pas possible. Ouais. Mais en partageant des valeurs communes, ouais. Qui sont précisément des valeurs, vous parliez des commentaires, de respect de la discussion, mais avec un effort d'argumentation, mais avec un effort de preuve expérimentale. D'esprit critique, de distanciation à soi, de distanciation à sa communauté, mais ce qui ne veut pas dire, évidemment, d'oubli ou d'abandon. Oui, mais on sent bien, Vincent Peillon, quand même, qu'il y a un vide, il y a un manque. Si je ne pense ne serait-ce qu'au succès, à l'attirance qu'exerce l'islamisme sur des masses de gens, c'est bien parce que ça, la nature a horreur du vide et qu'il y a un vide spirituel en France aujourd'hui. La laïcité... conçue telle qu'elle est aujourd'hui, c'est devenu une case vide. Non, d'abord, quand vous parlez d'islamisme, faut faire très attention à plusieurs choses. D'abord, première chose qu'il faut qu'on établisse, c'est que la laïcité n'est pas anti-religieuse. Oui, c'est pas de l'athéisme, c'est très important. Exactement, ouais. et on peut être athée d'ailleurs, hein, mais on peut réunir les athées, c'est la grande idée. D'ailleurs, dans l'église laïque, on aura les athées, les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, etc. On peut être religieux et laïque. Très bien, on est religieux et laïque, alors la plupart des grands religieux... On fait bien la part des choses. On ne demande pas à notre grand rabbin de ne pas être laïque. Il est laïque. Bon, et nous sommes chacun d'entre nous laïque. Et c'est vrai dans toutes les confessions. C'est d'ailleurs la façon de faire vivre pacifiquement des libertés entre elles, donc des confessions entre elles. C'est ça la laïcité. Mmh. C'est pas nier votre confession, d'où la liberté de conscience. C'est vous garantir, et c'est vrai pour nos amis musulmans, c'est vous garantir la possibilité non seulement de croire ou de ne pas croire, mais d'exercer votre culte. Et la laïcité elle-même, dans ce schéma, si vous voulez mon avis modeste, elle est revenue sous forme religieuse, orthodoxie, imprécation. Ces dernières années, nous avons vu des gens qui connaissent assez peu et l'histoire et la philosophie de la laïcité, qui sont d'ailleurs les derniers convertis, hein, parce que je les ai connus combattant les réformes laïques, à commencer par l'extrême droite de Mme Le Pen. Donc vous ferez remarquer qu'elle n'arrête pas de parler de république et de laïcité, dont ils ont été historiquement... son courant politique, les premiers ennemis. Et donc, on nous a vendu une laïcité, que je dirais laïcarde, dans le fond, anti-religieuse déjà, fonctionnant par interdit, imprécation, exclusion, ce qui, par la force, ce qui parfois provoque d'ailleurs des réactions anti-laïques, on le voit dans une certaine jeunesse française, pour qui maintenant république et laïcité, c'est les ennemis, parce que c'est ceux qui veulent nous humilier ou nous... Bon. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit la charte de la laïcité, la première... qui est diffusé dans tout, et que je l'ai imposé dans tous les établissements de France, j'ai veillé à ce que cette charte, et par les gens que j'ai fait collaborer à cette charte, j'ai veillé à ce que cette charte respecte tout le monde et soit en capacité de faire que même les plus, comment dirais-je, réticents à nos valeurs républicaines, il y en a aujourd'hui, je ne le nie pas, puissent comprendre que cette laïcité était pour eux un chemin. Mmh. Voilà. Donc vous vouliez rendre un contenu à cette laïcité, en fait. On a rendu un contenu à la laïcité. Malheureusement, le travail de mes successeurs après 2017 a été mauvais. Vous trouvez Oui. Ah oui, exécrable. Ils ont détricoté ce que vous aviez Ils ont non seulement détricoté, mais ils ont divisé le monde laïque. Vous voyez bien les bagarres qu'il y a eu avec Jean-Louis Bianco, les conseils. Tout ça est devenu, d'ailleurs, je crois, le ministre, plutôt que de recruter des professeurs, il n'y en a plus. Organiser des colloques contre l'islamo-gauchisme sans un intellectuel et sans un fait sérieux. Vous trouvez ça grave ? Ouais. Il semblerait que là, les leçons ont été tirées et qu'on ne va pas passer à autre chose maintenant. Je pense, oui, que c'est des blessures pour le pays. Je pense que nous avons besoin d'apaisement, de réunion. Par exemple, sur la laïcité, c'est intéressant parce que depuis 1905, vous savez qu'il y a toujours eu des points de vue différents sur la laïcité. Aristide Briand, ce n'est pas Ferdinand Buisson. Donc, il y a toujours eu des gens plus laïcards qui croyaient à la science, d'autres qui venaient du, je pense au rabbin Louis-Germain Lévy, à la naissance de l'Union libérale, juive, qui il écrit un livre, le premier rabbin de Copernic, qui s'appelle Une religion laïque. Donc, il y a des gens qui vont dans cette affaire en gardant leur identité religieuse. C'était le cas de Jaurès, c'était le cas de Buisson, c'était le cas du rabbin Lévy, etc. Donc, et puis en face, vous avez des gens qui confondent laïcité
et anti-religieux, et qui deviennent, à leur tour, ils créent une orthodoxie, des dogmes, un clergé, ils ont fait la chasse, ce qui ne s'était jamais vu en France depuis... ils ont fait la chasse avec des listes de noms de professeurs qui n'étaient pas dans l'orthodoxie de l'État, non. D'ailleurs, le ministre n'a pas à intervenir sur les programmes, sur tout ça doit être des commissions indépendantes, séparées du pouvoir politique. C'est notre tradition libérale. Oui, je pense que c'est grave parce que ça n'a pas aidé notre pays, qui a besoin quand même d'avancer, si vous voulez. La démocratie a besoin d'intelligence. Je voulais juste revenir un instant à Pierre Leroux, dont vous faites ici le ventriloque. Malgré tout ce que vous nous dites ici, il se trouve que Pierre Leroux, c'était un antisémite. Non, je ne crois pas. Non. Je crois que si on met dans le contexte de son temps, on parlait de Rousseau tout à l'heure, il y a des textes de Pierre Leroux qui sont en fait les textes socialistes, un peu comme Proudhon, il est moins pire que Proudhon, d'avant 1948, dans lesquels il y a une critique de l'économie politique libérale et dans lesquels les Rothschild, donc c'est le carrosse, sont vus ou incarnent, si vous voulez, le triomphe du nouveau libéralisme. Donc la révolution industrielle de 1830 et l'arrivée des banquiers. Bon, ça c'est exact. Mais ce ne sont pas du tout des textes, donc ce sont des textes d'analyse politique. Et inversement, ça commence d'ailleurs à se lire, il y a beaucoup de textes de Leroux dans lesquels, au contraire, il redonne à la loi juive, à Moïse en particulier, un rôle et un statut qu'il n'avait pas du tout. Vous savez, la grande idée chrétienne, c'est l'idée du dépassement. C'est-à-dire, c'est l'idée, dans le fond, on est arrivé après, et ce qui est avant, ils peuvent rester comme des témoins, mais dans le fond, on a fait beaucoup mieux. La seule valeur du peuple juif, c'est d'être témoin. Il y a toute une tradition qui se met en place, et dans laquelle Leroux va jouer un rôle, qui est de dire pas du tout. Il y a quelque chose dans la Bible hébraïque, que les autres appellent l'Ancien Testament, qu'il n'y a pas dans les évangiles. Et donc, il faut retourner à cette source. Et en particulier, alors là c'est très important pour la période contemporaine et pour le judaïsme d'aujourd'hui, et en particulier parce que dans la République des Hébreux, dans la loi mosaïque, vous avez une organisation des pouvoirs démocratiques, vous avez la justice sociale, j'insiste beaucoup sur la justice sociale, c'est-à-dire comment on va traiter la veuve, l'orphelin, l'étranger, et comment on va aussi remettre, si vous voulez, la question des terres, de la propriété des terres, en débat tous les 50 ans ou tous les 7 ans, selon les... Donc, c'est colossal. Alors, vous me conduisez exactement là où je voulais en venir, tant puisque ce que vous montrez bien dans votre introduction, c'est cette continuité qu'il y a, qui peut nous paraître surprenante à nous, mais cette continuité qu'il y a entre pensée religieuse et socialisme. Et vous rappelez Jaurès notamment, qui dit que le socialisme, pour lui, c'est le christianisme accompli. Vous, Vincent Peillon, c'est un secret pour personne, vous êtes juif, descend d'une lignée du côté de votre mère de juifs alsaciens, vous avez même un arrière-grand-père rabbin, vos enfants sont juifs. Est-ce que pour vous aussi, vous vivez, vous êtes un socialiste engagé, vous vivez cet engagement socialiste comme une version sécularisée du judaïsme? Si vous prenez, disons, le premier sioniste, Moses Hess, qui est le fondateur de la social-démocratie allemande aussi, en même temps, avec la Salle, Moses Hess considère que le mosaïsme est un socialisme. Il l'écrit. Donc pour moi, évidemment, et évidemment avec l'éducation que j'ai eue, il n'y a pas de différence, si vous voulez. Ça a été un accomplissement. Vous avez sur tous les juifs de l'Est, les travaux de Michael Lewy qui montrent ça, je pense que c'est assez vrai dans notre tradition française. Et je montrerai que Joseph Salvador, mais quelques autres, assumaient cette idée d'être socialiste, au sens où il l'entendait. Là, on n'est pas sur le Parti Socialiste d'aujourd'hui. Bien sûr. On est sur cette idée que l'accomplissement de la République et de la démocratie doit être le socialisme, c'est-à-dire que la question d'égalité des droits débouche toujours sur la question de la justice sociale. Et cette question de la justice sociale, elle est portée par, évidemment, la République des Hébreux et le judaïsme. Nous allons enfin avoir en France, en septembre, je pense maintenant, le grand livre d'Eric Nelson sur la République des Hébreux, professeur à Oxford, jamais traduit en France, depuis 10 ans qu'il est sorti, traduit en chinois, mais pas en français, quand même extraordinaire, où il nous explique que les origines de la modernité politique,
dans les trois points importants qui sont les siennes, donc l'organisation de la démocratie, nous ne voulons pas de roi. Deuxièmement, la question de la justice sociale. Bon. Et troisièmement, la question du cosmopolitisme, c'est-à-dire du rapport à l'étranger. Ces trois grandes choses qui vont faire la pensée libérale au XVIIe siècle, à travers la Révolution anglaise, puis la Révolution française, viennent de la redécouverte par les protestants de la Bible hébraïque. Donc la modernité, les origines chrétiennes de l'Europe, non. La modernité de Nelson, elle est juive. Mais alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le porte-voix de toutes ces idées de défense de justice sociale, d'égalité des droits, de défense de l'étranger, c'est quand même aujourd'hui quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez que dans leur masse, les juifs ne s'y retrouvent pas? Il y a bien sûr des juifs chez Jean-Luc Mélenchon, mais... Je vous le confirme. Et il ne faudrait pas avoir l'impression non plus et tomber nous-mêmes dans des sectarismes qui ne correspondent pas à des réalités. Je parle de généralité, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Après, il peut y avoir eu des propos de Jean-Luc Mélenchon, des indélicatesses, qui ont heurté une communauté aujourd'hui très inquiète. Inquiète pourquoi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du fait de la montée d'un antisémitisme et de l'islamisme politique radical, qui a trouvé, et quand même chez nous, à s'exercer comme, de façon absolument tragique dans une diversité d'attentats, mais où les juifs sont particulièrement visés. À ce moment-là, tout sentiment qu'il peut y avoir ici, on est toujours sur un fil. Mmh. Quand on reprend nos propres valeurs juives de fraternité, si vous relisez Néer, Lévinas lui-même, hein, qui d'ailleurs lui-même parle de socialisme, on voit bien qu'il y a une difficulté. Donc je pense que... Et puis certains fauteurs de haine ont rajouté, si vous voulez, des approximations, des raccourcis sur les positions des uns et des autres. Donc c'est des dérapages, des malentendus, c'est pas structurel? Je crois pas du tout que ce soit structurel. Personnellement, il a siégé au gouvernement de Lionel Jospin. Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps. Il est un des rares qui m'a demandé de lui expliquer d'ailleurs la loi mosaïque et la République des Hébreux. Ah oui. Il est entouré de beaucoup de juifs. Vous lui avez fait un cours alors? Je ne fais pas de cours, mais je suis heureux quand quelqu'un s'intéresse à ces questions qui n'intéressent pas grand monde, pour dire la vérité, parfois y compris dans la communauté juive. On peut faire des raccourcis qui n'ont peu de choses à voir avec notre tradition. Je le comprends, parce que je vois bien ce qui a pu choquer, ce qui peut inquiéter, mais en même temps, je crois que ce n'est pas un projet juste. Maintenant, vous avez une deuxième difficulté pour nous, communauté juive, pour la communauté juive. C'est la question d'Israël, ce qu'a très bien montré Steve Jourdain dans son livre que j'ai publié, quand même l'affaire de Jean de Gauche, et que les valeurs qui ont présidé à la création de l'État d'Israël étaient des valeurs du mouvement socialiste. Bon. Et qu'aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans le système social israélien, alors les choses ont beaucoup changé depuis 20 ans, comme chez nous, avec la force du libéralisme, que montre très bien Jourdain dans son livre. Il y a quand même un substrat de gauche. Mais il y a un substrat dans le système israélien, bien sûr. Ben c'est tout le mérite de ce livre, et on vous remercie Vincent Peillon, d'exhumer un peu les oubliés de l'histoire, les pensées occultées de l'histoire, mais qui continuent en fait à cheminer. C'est Pierre Leroux qui défend une religion nationale, et c'est précédé de votre introduction, une démocratie religieuse. Merci beaucoup, Vincent Peillon. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt, invité. J'espère, merci. Sur Academ. Et merci à vous pour votre fidélité.